et bienvenue à tous. Nous sommes ici avec les éco-responsables à l'école secondaire Étienne Brûlé pour vous présenter notre petite ville écolo. Aujourd'hui, avec les éco-responsables et les élèves de l'école, nous avons fait une activité avec différentes stations autour de l'école. À chaque station, il y avait une différente simulation d'une carrière en environnement. Les élèves devaient se déplacer avec des transports actifs à chaque station. Vous prenez la graine. Et vous mettez dans ce sac. Et après dans la terre. Quel est votre métier aujourd'hui dans la ville écolo? Moi, je cultive les radis en respectant l'environnement. Moi, je cultive les fleurs et Étienne Brûlé en respectant l'environnement. Wow! Le bus, on va le rater! Dépêchez-vous! Parce que musique. Quelle belle mélodie! Alors vous, qu'est-ce que vous faites? On compose des chansons avec des textes écrits qui ont un rapport avec l'environnement et ça engage les jeunes à aussi choisir des carrières qui ont un rapport avec l'environnement et on les sensibilise en même temps. Quelle belle carrière! Allez, c'est parti! Hop là! On y va! Bonjour! Alors vous, qu'est-ce que vous faites comme métier aujourd'hui? Nous sommes des comédiens en environnement. À travers le jeu d'improvisation, nous sensibilisons les élèves sur les domaines de carrière en environnement. L'environnement? C'est quoi ça? Allez, c'est parti! On prend le train direction la classe. Bienvenue à la station école. Nous allons tout simplement procéder au sondage. Après avoir visité notre village écologique et toutes les stations qui vous ont sûrement sensibilisé sur les carrières, en environnement. Bonjour. Bonjour. Alors vous, qu'est-ce que vous faites comme métier aujourd'hui? Ma tâche ici essentielle, c'est travailler dans les sciences de l'environnement. Donc, mon objectif, c'est de pouvoir donc enseigner l'environnement, les sciences de l'environnement, mais surtout sensibiliser les élèves et faire des activités qui, avec lesquelles on pourra toucher la communauté, voire même plus loin. Wow! Oh, métier! Malheureusement, c'est déjà l'heure de se quitter. À la semaine prochaine pour plus de carrières en environnement avec la stagiaire universitaire de York qui nous présentera la station de recyclage ainsi que le coordinateur en environnement de Green Communities, Gabriel Sirois. À la prochaine! Excusez-moi, une petite question s'il vous plaît. Oui. Et alors vous, qu'est-ce que vous faites? Je m'appelle Denise Petitpas, je suis animatrice culturelle pour le Conseil scolaire Vie au Monde. Et puis, à travers de cette activité, nous espérons sensibiliser les jeunes sur les carrières en environnement. Merci.